Est-ce que 100 000 fragments, c'est énorme? Personnellement, je ne pense pas. Parce que moi, je les utilise toujours pour changer mes stats ou soit pour pouvoir changer de race. Et j'avoue qu'à cause de ça, ça gaspille rapidement les fragments. Mais la question que tout le monde se pose, quelle est la meilleure méthode pour pouvoir obtenir des fragments et combien de temps ça peut prendre d'avoir 100 000 fragments? J'avoue, 100 000 fragments, c'est quand même énorme. Donc, je me suis dit, je vais utiliser tous mes fragments. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai 2516 fragments. Je les ai laissés exprès parce que je voulais faire une dernière reset stat, changer mes stats avant de pouvoir commencer cette vidéo. Comme ça, j'aurai que 16 fragments. On va d'abord commencer par changer nos stats. Comme ça, on va gaspiller ces 2516 fragments. Maintenant que c'est fait, on n'a plus que 16 fragments. Étant donné qu'il y a plusieurs méthodes pour pouvoir obtenir des fragments, comme par exemple les raids pirates, le boss Hydra, Sable Sibiste, les catégories, en fait c'est les boss raids, mais aussi la meilleure de tous les meilleurs, c'est de faire des raids. 1000 fragments et c'est plus rapide. C'est vrai que 1500 comme le boss Hydra ou le Dark Beer au deuxième monde, mais le problème c'est que ça prend trop de temps pour pouvoir trouver l'item qui va devoir le faire spawn et pour qu'on puisse aussi le faire. Perso, je me suis dit, pourquoi ne pas faire les raids? Les raids, c'est la méthode la plus rapide. Parce que si tu arrives à finir un raid en 5 minutes, tu obtiens 1000 fragments. Qu'en 10 minutes, tu obtiens 2000, 15 minutes, 3000, ainsi de suite. Et donc, en 30 minutes, on peut tenir 6000 fragments. Et en une heure, on obtient carrément 12000 fragments. Et si les personnes, ils sont carrément motivées, peut-être qu'ils peuvent aller plus rapide que là. Sauf que quand tu es tout seul et que tu fais des fragments, c'est trop long. Et à un moment donné, tu t'ennuies à mort. Là, mon objectif actuellement, c'est de faire le maximum de raids que possible. Et essayer d'obtenir les 100 000 fragments avant qu'on va quand même plus loin dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit peu bleu, mais aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Là, on va partir pour aller faire le premier raid. On va prendre d'abord le raid le plus simple. Pour moi personnellement, il y a des gens qui pensent que c'est le raid de la flamme. Bon, moi je pense que c'est plutôt Dark, mais on va plutôt utiliser l'instinct public. Et vu que l'instinct public pense que c'est le raid de la flamme, on va tenter d'abord le raid de la flamme. Raid de flamme, raid de flame, raid de flame. Ah oui, j'avais oublié que ça coûte 100 000 euros. De toute façon, on est tout seul, donc du coup, va falloir gérer ça tout seul. Alors, ici, transformation, let's go. Et en plus, on va faire le petit glitch de base. Des grosses épées comme ça, parfait. Puis, on va faire que cliquer, cliquer, cliquer. Ouais, on va cliquer, 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 cliquer. Ça, c'est plus rapide. Wow, il veut vraiment pas me lâcher. Allez, merci. Allez, on va passer à l'autre île. Allez, maintenant que c'est fini, ici, on va aller dans la quatrième île. Ok, vas-y. Maintenant, on a activé la V4, ça va être plus rapide pour la dernière île. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que Angel V4, c'est la meilleure race pour faire des raids. Vraiment. Personne ne peut me dire le contraire. Théma, comment on peut stun le boss comme ça? Le boss, il est carrément en train de s'incliner devant moi. Genre, il me laisse le frapper gratuitement comme ça, là. Ok, maintenant, le boss, il est mort. Il m'a donné environ 110 271. Allez, let's go. On a fini. Bon, là, c'est fini. Et il restait 7 minutes. En 5 minutes, on a fini un raid. Si on fait des raids toutes les 5 minutes, ben, je pense que c'est faisable. Parce que là, on vient de recevoir les 1000 fragments, là. Donc ici on est monté à 1016 fragments. Bon, on est qu'au jour 1. Donc du coup dans le jour 1, on va essayer de faire le maximum de raids qu'on peut faire. 99 raids qui me restent à faire. Waouh, il me pousse tellement loin, c'est la galère. Wesh, il y a des mots partout ici. Hein. C'est bon, c'est fini. Allez, le boss il va mourir, il va mourir. Je vois même pas ses HP. Il a pas eu d'HP. Non, il m'a frappé un coup, il a mis son brick. Je pensais même pas que j'allais arriver à le finir, mais finalement je l'ai fini, c'était rapide. Prendre le raid du Quake, il paraît que c'est une des raids les plus compliquées à faire, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Oh, 7 minutes et 29 secondes. Nouvelle quête, nouvelle quête, nouvelle quête. On va prendre Ice. Oh, j'ai oublié de mettre le fruit de Bouddha. Oublié le fruit de Bouddha. Voilà. Wesh. Ah, le boss, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Hein. Waouh, allez, il est fini. 7 minutes et 6 secondes. C'est fini. Waouh, presque c'est politique.
Il paraît que le Bouddha 21, il est plus mieux pour faire les riders. Wesh. On va venir parler à ce NPC, l'expérimenter avec un ability. On va désactiver tous ces trucs. Voilà. Alors, on va venir ici pour récupérer le sanguinaire. Ok. Wow, je l'ai même pas master 600. Ça va être une dinguerie, hein. Si je me transforme et que je spam avec ça, là... Ouais, apparemment, apparemment, ça peut le faire. Ça va être incroyable de faire ça. Allez, ouch, t'as des fruits, là. Maintenant, tu vas venir avec moi pour aller faire des raids. De toute façon, c'est pas grave si tu tues les mobs. Dans tous les cas, moi, je vais juste finir le raid. Ouais. Au moins, cette fois-ci, je ne suis pas seul à venir faire les raids. Hein. Je vous dis déjà, j'ai fait que 8 raids. Donc, j'ai pas vraiment fait beaucoup de raids que ça. À la base, je suis censé faire des raids tout seul. Hein. Mais bon, et quand il y a des membres qui peuvent nous aider, hein, pourquoi pas. Vas-y, hein. Wesh, j'ai même pas eu l'argent. Oh, le boss. Ah, j'ai eu l'argent. Let's go, j'ai eu l'argent. Non, j'ai pas réussi. Non, j'ai pas eu le boss. Attendez. Il faut que je mette vraiment mon Bouddha V2 parce que là, vraiment, c'est la galère. Hein. Vas-y. Je peux le faire. Yes. Les raids pirates, on aura un fruit, on va pouvoir encore une fois utiliser pour pouvoir faire un raid, s'il est nul. Moi, je vais frapper que deux mobs pour avoir les fragments. Oh là là, je l'ai pas eu, c'est Evan qui l'a eu, c'est quoi ton fruit? Non, c'est Falcon, montre. Aïe, c'est bon, t'as payé le raid? Vas-y, let's go. L'argent du boss. Non! J'ai pas eu l'argent du boss. Maintenant qu'il y a Eva, ça va peut-être aller mieux. Mais vraiment, il y a quelqu'un là? Wesh, je sais pas, mais un d'entre nous, franchement. Il est là spécialement que pour voler le boss, en fait. Vas-y, let's go. Wesh, c'est fini en 8 minutes. Déjà, je suis arrivé à 15 000 fragments. Bon, j'ai encore beaucoup de raids à faire. Hein. Là, il me reste environ 85. J'ai un fruit de bombe qui est là, je vais payer avec. Hop, raid magma. Ok, ici il y a Evanotaire, ici il y a Eva, et ici il y a Sivina. C'est parti. Oh oh, il y a Loxy qui est là. Au revoir Loxy, on va despawn dans quelques secondes. Wesh. Oui. Je me suis fait éloigner tellement loin, j'ai trop la rage là. Wow, le boss était tellement raciste en plus. Oh là 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 là. Allez, raid fini. Maintenant, j'ai environ 18 000 fragments. Wesh, j'arrive plus à avoir de mobs. Tu sais que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à avoir le boss, wesh. Ça va être très très long, hein, tout ça. Hein. Ça va être trop long. Oh là là, j'ai pas eu encore l'argent. Waouh, wesh. Mais pourquoi le boss, il me jette trop loin? Non, il est pas mort. Oui. Enfin, j'ai l'argent, ça fait plaisir. Allez. Là actuellement j'ai 21 000 fragments. Allez, oui, non. Oh le rat, il a volé le boss avec sa V4 de mort. Ok, il faut que je désactive d'abord plutôt le C. Vas-y. On désactive ça. On va essayer de faire la transformation. Wouah. Oh non. Wouah. On s'est fait voir. Oui, non. Alors là, on en est à combien de fragments? Je suis à 26 000 fragments. Pas mal. Non, ouais. J'ai fait tellement de dégâts et j'ai rien eu. Mais bon, du moment qu'on a les fragments, c'est le plus essentiel. Même quand j'ai des petits mobs, on vient, on me les pioche. Non, j'ai pas eu de boss. J'ai trop la mort. Waouh. Premier jour, on vient de faire environ 35 raids. C'était extrêmement très long de les faire. Si demain je fais 35 raids sans faire environ 70 000 fragments, je vais aussi essayer de faire des petites ventes avec tous les pirates, tous les trucs qui spawnent. Ça permet un peu d'augmenter les fragments. Une menace a été détectée. Let's go, on va faire les pirates. Ça va nous permettre de gagner 100 fragments. Et 100 fragments, c'est pas à négliger. Wesh, il y a déjà des gens qui sont déjà là-bas. C'est ça le mob. Wesh, mais il y a zéro mob là. Mais laissez-moi les mobs. Vas-y, j'ai tué un mob. Maintenant que j'ai tué un mob, je vais juste attendre. Ça sera quoi comme fruit que vous allez obtenir?
pendant le temps que vous êtes en train de faire les mobs, moi je suis en train de pouvoir flex, voilà. Bon, toi là, tu meurs parce que tu essaies de m'énerver, quoi. Wesh, il a volé le mob. Oh, j'ai reçu 100 fragments, mais je vais d'abord juste la stocker parce que je l'avais utilisé tout à l'heure. Day 2. Jour 2, maintenant on est bien réveillé, on s'est préparé, on va faire encore des raids. On est 3 maintenant, on n'est pas beaucoup. Pour mon deuxième jour là, mon objectif c'est de faire au moins jusqu'à 50 000. C'est une dinguerie. Allez, c'est fini. Jamais les boss rien. Voilà. Allez. Il a plus d'HP, il a plus d'HP, il a plus d'HP, il a 96 000. Let's go. Bien joué. Allez. Wesh, il veut pas mourir le boss, hein. Il veut pas mourir, ou quoi? Oh. Enfin, je viens de faire les 50 000 fragments, là. Day 3. Aujourd'hui, troisième jour qu'on va faire quand même nos fameuses raids pour pouvoir augmenter nos fragments. Bon, là, j'arrive à 50 000 fragments. Si aujourd'hui, j'arrive à aller jusqu'à 50 raids en une journée, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des raids non-stop. Je pourrais largement faire les 100 000 frags en 3 jours. J'avoue que ça serait quand même chaud parce que là, je suis déterminé à les faire. Faut vraiment que j'arrive à 100 000 frags. Avant, j'avais beaucoup de fragments et je les ai diminués jusqu'à 0 juste pour commencer cette vidéo. Let's go, let's go. Bon, on va aller acheter un petit raid d'abord étant donné que j'ai pas fait depuis hier. Donc, du coup, là, je peux en acheter une. Wow, je suis arrivé et il est là. En V4. C'est quoi cette sourde? Elle est nulle, cette sourde. On arrive à 58 000. A few minutes later. C'est parti, il est dingue. Allez, le boss, allez. Non! Oui! Oui! Allez, il est mort. Et là, on arrive à environ 62 000 fragments. C'est bon, la curieuse est bon. Vas-y, let's go, lancement ça. Let's go! Il a 425 000 HP. Wesh. Allez, let's go. Les 1500 frags. Je suis monté à 66 000 frags. Allez, il va mourir. Et je le frappe même pas. Aïe, il est mort. Maintenant, on arrive à 70 000 frags. Il est mort. Voilà. Je rêve, il manque un mob là. Oh. Ah, il est là. Wow, on a tué tout le monde sauf le beau. Oh non, tu l'as buté. Bon, j'ai que 75 000 fragments. En gros, là, il me reste 25 raids à faire. Si je fais encore 18 raids, c'est bon. Étant donné que j'en ai 82 000. Waouh, c'est long. Hein. Là, il est bloqué de façon bien soignée. Le boss, il peut rien faire. Jusqu'à ce qu'il meure. Oh, le cheat! Ça, c'est la meilleure technique, hein. C'est n'importe quoi. Il y a une transformation Kitsune, et moi je suis sur son dos avec des grosses épées. Avantage, mouvement, ouais, en plus ça va trop vite. À la dernière île. Oh là là. Vas-y, la V4. Ah là là. 89 999. Il y a que des 9. Presque des 9. J'ai
pas face à toi. Bon, il y a le boss Rippin Dracaspoon, sauf qu'ils sont en train de le faire du sale. Wesh. Je l'ai à peine touché là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins on a reçu la récompense et aussi nos fragments. Ouais, on est à 97 000. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Ah, j'ai tué le boss. Parfait. Bon, plus que les misérables mobs, donc du coup, ça va. On peut faire comme ça. Parfait. C'est pas fini? Quoi? What? C'est pas possible. Il va mourir. Let's go. 2052. Alors là, on arrive à 99 000 fragments. Je pense que si je fais un Elite Boss, je pourrais arriver à ça. Ok, on a reçu les 100 fragments. Et là, il me reste 500 fragments. On va faire cette tête-là. Donc, on va pouvoir avoir 200 fragments. Il faut que je tue le boss en 2 secondes. Allez, let's go. 200 fragments obtenus. Maintenant, on va pouvoir. Oh, bon, on a plus besoin que de 300 fragments. Cinquième zone est toujours rien. Ok. Wesh. Waouh. Ah, le cibiste. V4. Non. Let's go, 150 fragments. Mon bateau est en train de prendre cher. J'ai reçu les 1000 fragments, 5000 fragments, c'est bon, 5016. Ouais, je suis bien le bateau. Wouah, j'arrive pas à le prendre. Après 3 jours d'acharnement pour faire des raids et tous les trucs pour obtenir des fragments, finalement j'ai fini par obtenir les 100 000 avec 66 fragments. Bon, les 66, c'est parce que voilà, j'ai tué les deux derniers bateaux, donc du coup je les ai obtenus. Mais ça ne change pas vraiment grand chose parce que notre objectif c'était d'avoir 100 000. 0-0, mais c'était pas possible d'avoir 0-0. Mais bon, en tout cas franchement c'était carrément long de farm. Pendant 3 jours d'affilée. En vrai de vrai, je pense que c'est largement possible de faire 50 000 fragments par jour. Oui, mais il faut être gravement motivé et ne pas abandonner. Mais bon, j'avoue qu'à présent que j'ai 100 000 fragments, je ne sais pas ce que je vais en faire avec, mais je pense que je vais quand même profiter de les garder pour l'instant et éviter de les gaspiller. À force de changer de race et de reset mes states à chaque fois, il est grand temps pour moi de prendre le large. Expulsion du territoire. Ah, je me suis retrouvé dehors là.